Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet. Bonjour, dans cette vidéo on va parler de la Gamy S 2015 et plus particulièrement de la The Great qui est une des boards référence de la gamme. Cette année ils ont mis des photos de riders, grands riders de l'histoire. Donc là j'en ai une à côté, pour chaque taille il y a une photo différente en fait. Donc là c'est Jeff Anderson, et voilà, chaque taille aura une photo bien particulière. Donc cette board elle est intéressante en construction parce qu'elle a un petit peu comme dans pratiquement toutes les boards de la gamme S, un cam rock, c'est-à-dire un cambre classique entre les pieds avec un rocker en spatule. Là on a un vrai cambre marqué entre les pieds, un tout petit rocker parce qu'il n'y a pas des très grosses spatules sur cette planche qui est vraiment à dominante park. C'est une twin tip, il n'y a pas de différence entre le nose et le tail, hein, on est vraiment centré dessus. Par contre, elle est asymétrique dans le sens où il y a une car front qui est différente de la car back. Donc il faudra bien la monter dans le bon sens. C'est toujours marqué, sur le champ vous trouverez une petite annotation heel edge qui permet de la monter dans le bon sens pour pouvoir avoir un bon rendu sur ses appuis autant en frontside qu'en backside. Cette board est plutôt technique, elle a un flex assez puissant, c'est assez compact. Donc c'est plutôt pour un rider confirmé à expert qui veut une board à dominante freestyle, hein, vraiment park, mais qui a une très bonne accroche sur neige dure. Il faut avoir un petit rendement pour des bonnes notions techniques, on va dire, pour l'exploiter à 100%. Ça va être la plus tolérante de la gamme. Par contre, pour un rider qui aime les gros kickers, qui ride assez vite et fort, qui veut quelque chose de compact sous les pieds avec un gros pop, cette board est faite pour vous. On peut vraiment la rider fort, elle a un très bon rendu. Donc en résumé, c'est une board freestyle puissante qui carve très bien sur neige dure, qui a vraiment du soutien. On peut lui rentrer dedans, on peut prendre de la vitesse, ça bouge pas. Par contre, pas ultra tolérante, donc plutôt pour un rider confirmé à expert qui veut une board qui a un super rendu en gros kicker ou en park de manière générale, qui va bien accrocher sur piste, hein, donc on peut lui rentrer dedans aussi sur piste. Par contre, elle a un petit peu moins de spatule, donc en poudre, c'est même s'il y a un cam rock, même s'il y a un rocker, c'est pas celle qui aura le meilleur rendu. Ou alors, faut bien prendre une taille, faut pas la sous-tailler. Si vous avez besoin de plus de renseignements sur la Gamy S ou sur cette board en particulier, n'hésitez pas à nous contacter soit par téléphone au 04 73 26 98 47, soit par mail à snow@glisshop.com. Glisshop.com, le spécialiste du ski et du snowboard sur internet.